Franche Comté, on le sait, terre d'élection pour les spéléologues. Rien d'étonnant donc si s'y déroule depuis hier une expédition en plongée souterraine assez exceptionnelle. Cela se passe au bord de la Bienne, près de Moret. Une vingtaine de personnes sont depuis hier à pied d'œuvre pour tenter d'atteindre et de dépasser le terminus du Trou Bleu. Le reportage de Catherine Rock et Jean-Marie Bavrel. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est vrai? Ouais. 10 cm. C'est bien installé, hein ? Paré à toute éventualité, au cas où le pire se produirait, un plongeur professionnel teste le fonctionnement du caisson hyperbare. L'équipe emmenée par Jérôme Moine ne compte que 6 plongeurs. La quinzaine d'autres est là pour aider à la mise en place du matériel et assurer l'assistance. Hans, on est à 10 mètres. On va arrêter. L'eau qui sort de la résurgence est à 6 degrés. Les plongeurs ne vont rester au fond qu'une trentaine de minutes. Mais comme ils doivent respecter des paliers de décompression en remontant, leur séjour dans cette eau glacée va durer 4 à 5 heures. Équipements vestimentaires, mélange gazeux et technique sont donc spécifiques. Nous avons développé une technique pour les plongées longues et profondes, c'est-à-dire des vêtements adaptés, des propulseurs sous-marins et bien sûr l'utilisation de mélanges gazeux à base d'hélium pour pouvoir aller à des profondeurs pareilles. La résurgence de la Douagabé est réputée pour être l'une des plus profondes de l'est de la France. Très large aussi, puisque certains passages mesurent 10 mètres sur 15. Le terminus connu est actuellement à moins 77 mètres. Jérôme Moine va essayer d'aller plus loin. Les autres plongeurs resteront vers moins 50 pour faire des relevés topographiques. L'intérêt géologique, oui, parce qu'on va faire une topographie relativement précise qui pourra être réutilisée par d'autres spéléos ou même par des géologues qui vont éventuellement étudier les courbes, les différentes formations des roches. Ça, c'est l'entrée de la résurgence. Le caméraman le suit jusqu'ici. Les 5 autres plongeurs vont faire les relevés là. Et là, la zone de grande profondeur où il descend tout seul. Des plongeurs spéléos de Port-l'Aîné et de Vesoul accompagnent Jérôme Moine, des passionnés qui connaissent la plupart des sites de la région. Ça fait près d'un an qu'ils attendent ce moment-là. La météo interdit souvent l'accès au Trou Bleu. Quand on revient, on a des images plein la tête qui sont très très belles, c'est géant. Et on ne pense plus du tout au mois de préparation qu'on a eu avant. On n'y va pas pour ce qu'on voit, mais pour ce qu'on ressent avant tout. En fait, c'est presque une philosophie en soi, la plongée souterraine. C'est-à-dire, il faut que je vous y emmène pour que vous compreniez.